kizimana kati ya Washington. Balobi mama mardi nde. Mama mardi nde. Balobi shop Africa Union. Mais toi, t'es qu'à nyonso. Biloko ya ya ni yo kongole. Oni ginde ko na yo. A sali sa yo te. Po na koria na yo. Moko babonde la yo. Po na mtoto na yo. Moko ya ele. Po babonde la yo. Balobi bio. Bio Africa Union. Et toi, t'es qu'à. Tout à quoi n'a pas si moi. Sinon, voyez pas ya dino koria ni. Pour pas tout comprendre, mawa. Bah congolais, où allons-nous? Où allons-nous? Pour la Coriana, puis nous moko. Bah quoi les radis? Coriana, appétit. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face. C'est le premier numéro de la semaine. Nous allons certainement décrypter l'actualité, la nomination du Premier ministre, tous les enjeux géopolitiques. On en parlera avec Luc Kabunangu, qui est acteur politique, membre de l'IDPS, cadre aussi du même parti. Monsieur Luc, comment allez-vous? Bonjour, monsieur Christian. Je vais très bien, merci. Alors, vous J'espère avez fait... que vous allez bien. Monsieur. Oui, je vais bien, merci. Il y a une tribune que vous avez faite qui est passée dans nos médias, la technique des léopards. Ouais. Oui. Qu'est-ce que vous voulez exactement expliquer dans cette technique des léopards? Comme vous avez dit, avec les enjeux politiques du moment, il y a de plus en plus d'interventions de tous les coins du pays, dans toute la population, tous les acteurs, toutes les forces vives du pays. Où chacun a un point de vue selon la composition du gouvernement qui devra conduire le programme de l'Union sacrée de la nation. Faisant nos observations, nos analyses, nous avons pensé que nous pouvons appliquer la technique ou la philosophie des léopards du football du Congo. Qui ne gagne jamais, hein? Qui ne remporte pas une Coupe du Monde ni une Coupe d'Afrique, mais vous voulez prendre cette technique-là. C'est très pertinent ce que vous venez de dire là, les léopards qui ne gagnent jamais, mais il faut savoir pourquoi les léopards n'arrivent pas à gagner. Les léopards peuvent ne pas gagner toute une compétition, il faut dire qu'ils ne sont pas les moins performants dans les compétitions où ils participent. Il faudra dire que bon, ils ne sont pas les champions parce qu'il y a défaut dans l'organisation, il y a défaut dans la constitution de l'équipe de léopards. Si les léopards n'arrivent pas à être premiers, c'est peut-être parce que la compétition est plus forte que eux. Mais cependant, nous pensons qu'il y a une philosophie qui est assez importante que nous pouvons associer à la composition de notre gouvernement central et qui pourra bien nous aider. Alors, comment va-t-il se composer ce gouvernement? D'abord, avant d'arriver à cette philosophie, revenons sur l'actualité. Le Premier ministre est Katongé. Cette fois-ci, il n'a pas de parrain politique, le Premier ministre. Il n'a pas d'autorité morale. Il ne vient pas de Bemba, il ne vient pas de Katumbi, il ne vient pas de Batu du Kwebo. Le président va le puiser dans le Katanga. Un monsieur qui a déjà été ministre de sport dans ce pays, il a démissionné. À 27 ans, il était député. Et puis après, à 37 ans, il est, soit 10 ans après, il est ministre. Et aujourd'hui, plus de 5 ans après, il est Premier ministre dans ce pays. Mmh. Alors, ça vous inspire quoi, le parcours de ce jeune de 43 ans? Nous saisissons l'opportunité pour d'abord féliciter son Excellence M. Samalou Kondé, qui a été nommé Premier ministre. Il a une lourde responsabilité qui lui attend. Il y a tout l'espoir de tout un peuple qui reste maintenant sur, qui pose maintenant sur ses épaules. Nous félicitons le président de la République qui a consulté et qui a entendu toutes les couches de la population. Et nous pensons que le président, en faisant ce choix,
il a tenu en considération les propositions qu'il a reçues de partout. J'aimerais dire, j'ai fait une autre tribune, je pense le 24 janvier de cette année, où certains des critères que je proposais dans la composition de l'équipe gouvernementale, aussi dans la sélection du Premier ministre, je pense que il y en a qui ont été pris en considération. Quand je vois dans Monsieur Lukonde Sama sa candidature, je pense que cela a répondu à certains critères sur lesquels nous avons insisté. Alors nous pensons que c'est un très très bon choix. Nous pensons que c'est un choix d'avenir. Nous pensons que c'est un choix qui va vraiment nous apporter les résultats attendus. Parce que les défis sont assez majeurs, Est-ce que c'est le choix du renouvellement de la classe politique? Est-ce que par ce choix, le chef de l'État ne marque pas sa volonté de tout changer, de tout refaire? Absolument, absolument. Nous pensons que ce choix donne déjà la vision du chef de l'État. Il y a eu beaucoup de propositions, il y a eu des recommandations. Du genre de renouveler la classe politique, d'amener la jeunesse. Et nous avons dit, nous voulons la jeunesse, une grande part de la jeunesse dans l'équipe gouvernementale cette fois-ci, pour apporter un peu d'innovation, pour apporter un peu d'énergie et rompre avec la routine habituelle des politiciens de tous ces temps. Vous avez parlé, la question précédente, du Premier ministre qui vient du Katanga, qui n'a pas d'assise politique, si c'est ce que vous vouliez dire. Qui n'a pas de paternel politique. Il n'a pas d'autorité, il n'a pas Bemba sur lui, Ouais. Mais le chef de l'État prend quelqu'un comme ça. Est-ce que c'est un signe d'affranchissement? Est-ce que c'est un signe de rupture des deals? Oui, absolument. Moi, je pense que le Premier ministre, c'est un choix d'un compromis. Bon. Nous devons savoir que le Premier ministre, dans le contexte actuel d'une coalition politique, c'est différent d'un Premier ministre qui viendrait d'un parti qui a gagné les élections tout seul. Il y a dû y avoir des négociations entre les parties prenantes, particulièrement les acteurs politiques, parce que le Premier ministre, selon la Constitution, il émane de la majorité parlementaire. Et ici, nous voyons que la majorité s'est reconstituée dans celle qui compose maintenant l'Union sacrée de la nation. Et le Premier ministre a été tiré de cette majorité. Je pense que comme autorité qui lui reste, bon, c'est la Constitution. Il répondra, il a été choisi selon la Constitution, il répondra aux exigences de la Constitution en ce qui concerne le gouvernement tel que institution de l'État. Mais est-ce que le Premier ministre va changer quelque chose de fondamental, ou vous pensez que le Premier ministre est finalement la pomme de discorde entre le président et Katumbi? Pourquoi serait-il la pomme de discorde entre le président et Katumbi? Oui, mais pourquoi ça ne serait pas un choix de Katumbi? Pourquoi ça n'a pas été Katumbi lui-même? Pourquoi ça n'a pas été un choix de Katumbi? Nous n'avons pas tous ces détails. Nous allons spéculer en termes juste de nos analyses, de ce que nous avons comme information. Moi, je disais tout à l'heure que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Monsieur Katumbi fait partie de cette majorité parlementaire. Il y a, dans la tribune, nous avons parlé de cela, les points qui sont prépondérants, il y a notamment le poids politique, ce qu'on appelle poids politique. La classe politique se base sur ce poids-là pour essayer de déterminer la partition de tous les différents partis dans la composition du gouvernement. Nous pensons qu'avec les tractations, avec les négociations, il y a toujours quelque chose que l'on cède, il y a toujours quelque chose que l'on gagne. Nous pensons que pour le bien, l'intérêt national, nous n'avons pas toutes les données, toutes les informations de comment le choix a été finalisé, mais nous pensons que le président a, en discussion avec toutes les parties prenantes, pas nécessairement
pas uniquement M. Katumbi, parce que voyez-vous, l'Union sacrée, dans sa constitution politique, là, n'est pas constituée que de M. Katumbi. Est-ce que ce choix-là ne nous dit pas, ne nous cache pas beaucoup de choses? Est-ce que ça ne cache pas la rupture de Katumbi finalement? Parce que nous avons vu après les lieutenants de Katumbi sortir en disant que bon, ils souhaitent bonne chance à l'Union sacrée, mais que le Premier ministre n'est ni membre de la Mouka, ni un partenaire de Katumbi, moins encore un allié. Ils sont plus ensemble et donc vous avez choisi ailleurs. Si vous voulez mon point de vue, moi je pense que si nous restons entre le président de la République et M. Katumbi Moïse, je pense que le Premier ministre est un choix de compromis entre les deux. Comment ça? Quel choix? Parce que déjà dans ses origines, M. Lukonde Sama, il vient du Katanga et il a évolué avec M. Moïse Katumbi. Oui, jusqu'à ce qu'il va faire le parti. Il a fait son parti, il évolue dans un autre parti, il a refusé d'intégrer le parti de Katumbi. Donc, c'est depuis très longtemps qu'ils sont bien ensemble. Oui, mais il faisait partie du G7. Oui, G7. Le G7 qui est... Oui, c'est un regroupement. Et M. Katumbi, jusqu'à présent, il a évolué avec son regroupement. Et comme je vous disais, bon, pourquoi nous allons nous attarder sur M. Katumbi lui-même, alors que nous avons dans l'ensemble toute une union qui est constitué d'autant de partis et d'autant de regroupements qui constituent cette majorité parlementaire. Et si vous rentrez même dans le poids politique que nous avons là, et encore faut-il que l'on s'attarde seulement sur le gouvernement, mais nous avons toutes les institutions et au niveau du gouvernement... Parce que le poids politique commence à devenir compliqué, encore une fois. Le poids politique ne plaide pas pour le Premier ministre. Est-ce qu'aujourd'hui, le Premier ministre n'est-il pas Premier ministre pour apaiser les Katangais? Avec cette histoire de Bakata Katanga, on va dire, bon, comme ils se disent qu'on a perdu le pouvoir, on ne nous aime pas, ils font tout pour nous mettre à côté, les Maloubala, ils ne nous aiment pas, mais ben maintenant, il faut aller avec un Katangais, comme ça, ils comprendront que le président n'est pas contre les Katanga. Est-ce que ce n'est pas ça aussi, ça n'a pas été pris en compte, cette hypothèse? Bon, Moïse Katumbi, puisque vous voulez parler de Moïse Katumbi, il est originaire du Katanga aussi. Justement, mais il n'a pas été dans le gouvernement. Oui, justement, c'est pour dire que cet argument, moi, j'en doute un peu. Moi, je pense que le président de la République, vu la vision qu'il nous a communiquée déjà et le programme qui devra être remis au Premier ministre, le programme issu, bien évidemment, de cette union sacrée de la nation, il a besoin d'innovation. Je pense qu'il est allé chercher un jeune. Il a besoin de technocratie aussi. Il est allé chercher un jeune qui a cette compétence-là. Il a besoin d'un flair politique dans le choix du Premier ministre. Parce que ici, nous parlons d'une équipe de coalition. Il faut quelqu'un qui a quand même du flair politique, qui sache bien gérer tout ce qu'il y aura comme facteur politique. Je pense que dans le Premier ministre qui vient de sortir... qui vient d'être nommé, nous retrouvons ces trois éléments qui sont assez déterminants. Alors, Premier ministre Sama Lukonde, quels sont les défis auxquels il va se confronter très rapidement après juste la prise de ses fonctions? Bon, moi, je pense que les défis ont été déjà donnés par le président de la République. Nous avons le bien-être social et économique de la population congolaise. Ça se résume en cela. Mais nous avons, dans les détails, nous avons l'enseignement qui est en souffrance. Nous avons des questions d'infrastructure. Nous avons des questions d'eau et d'électricité. Nous avons des questions de santé. Nous avons des questions de sécurité, de l'intégrité territoriale. C'est tout un grand chantier pour le Premier ministre. Qu'est-ce qui viendra en premier comme challenge? Je pense qu'il devra constituer une équipe gagnante. C'est là que nous parlons de la philosophie des léopards. Je voudrais bien en savoir. Ça aussi, c'est aussi un challenge parce que déjà, nous avons des réclamations, nous avons des propositions et parmi celles qui ont retenu notre attention, vous avez, par exemple, vous l'avez mentionné aussi, les origines des candidats. Voilà, il est du Katanga, il y a les Baluba du Kasaï de l'autre côté. Est-ce que vous voulez équilibrer, vous voulez apaiser? Donc, il y a les origines.
Il y a d'autre part le poids politique qui aussi est assez déterminant et il pèse lourd, surtout quand on voit la constitution du Parlement et le Premier ministre qui devrait venir de la majorité parlementaire. Nous avons de l'autre côté où il y a des cris qui s'élèvent de plus en plus sur la méritocratie des membres du gouvernement central. Quand nous mettons tous ces éléments ensemble, le Premier ministre, il est le formateur de son équipe. Je crois qu'il doit jouer assez bien pour composer une équipe gagnante qu'il devrait finalement proposer au président de la République pour nous donner vraiment un exécutif qui va commencer à résoudre les problèmes du Congolais. Mais est-ce que c'est le Premier ministre qui choisit les animateurs ou c'est le président, dans le contexte bien sûr, dans le contexte actuel, est-ce que ce n'est pas une équipe du président que le Premier ministre va devoir conduire? Est-ce que c'est le Premier ministre lui-même qui choisit ses propres animateurs sur base du tableau politique qu'on a et qui propose au président de la République? Comment va s'opérer le choix exactement? Bon, il y a une collaboration entre le président de la République et le Premier ministre. Nous sommes dans une coalition politique. En fait, nous sommes dans une coalition élargie. Initialement, on se limitait à la coalition politique. Cette fois-ci, nous sommes dans une coalition élargie. Donc, vous avez raison à Mende qui parlait d'une coalition élargie qui n'a pas arrangé plusieurs personnes, en commençant par moi-même d'abord. Ah bon, quand c'est la vérité, c'est la vérité. C'est une coalition élargie. Elle va au-delà des forces politiques. Elle, cette fois-ci, elle comporte aussi les forces de la société civile. Mais il y avait toujours des forces de la société civile dans tous les gouvernements. Et tous les Congolais, tous les citoyens congolais qui ont été jusque-là exclus un peu dans la gestion de la... Mais ça a toujours été le cas. À l'époque de Mobutu, on avait des membres de la société civile comme membres du gouvernement. Ouais. À l'époque de Kabila, tour à tour, on a eu ça. Je ne vois pas en quoi ça serait une coalition élargie. Et si il y a une coalition élargie, quelle a été la coalition restreinte? Non, la coalition restreinte, si nous parlons cash d'abord, c'était une coalition restreinte. Le FCC aussi. Quand nous allons FCC, cash, c'est restreint. Maintenant, aujourd'hui, nous élargissons au-delà de FCC et cash. Le chef de l'État a invité toute la population congolaise à participer dans la gestion de la chose publique. Mais le FCC et le cash n'existent plus. Ça n'existe. C'est ça que je suis en train de. C'est ça que je vous dis. Oui. Nous avons élargi cette fois-ci. Nous avons invité tous les citoyens congolais à participer, y compris les partis et regroupements politiques. Ceux-là qui ont répondu, ils sont membres de l'Union sacrée. C'est ce qui constitue aujourd'hui la majorité qui va finalement gouverner le pays. Et c'est à partir de cette majorité que nous tirons les animateurs ou les membres du gouvernement central. Le Premier ministre est clair, il dit pour lui, il s'agira bien évidemment d'un gouvernement, il va s'agir d'un gouvernement à taille réduite. Ben, il dit très réduite vraiment, parce qu'il dit qu'il n'en a pas besoin d'avoir un gouvernement éléphantesque comme c'était à l'époque, mais sans nous dire exactement le nombre de ministrables, du genre de portefeuille. On nous parle de 45, il y en a d'autres qui parlent de 30, il y en a d'autres qui parlent de 35, on attendra. Mais il dit qu'il y aura aussi beaucoup de jeunes dans ce gouvernement. Est-ce que vous pensez que la jeunesse suffit pour construire un pays? Non, la jeunesse ne suffit pas. Nous avons proposé une combinaison de la jeunesse et de l'expérience. La jeunesse, elle est importante, elle est vigoureuse, elle est innovante. Mais pas suffisante. Pardon? Mais pas suffisante. Non. Quand je parle, parce que là, nous parlons de la jeunesse en général comme ça. Il faut rentrer dans cette jeunesse et tirer les compétences requises, parce qu'on ne va pas taper dans le tas et on tire n'importe quel jeune. C'est comme ça que je dis, c'est pas suffisant de dire la jeunesse. Il faut trouver les compétences qu'il faut dans cette jeunesse et les amener en complicité avec le reste de la population qui n'est pas à exclure. On ne peut pas exclure l'expertise ou l'expérience que l'on a gagnée après autant d'années au niveau du gouvernement parce qu'on veut faire quelque chose uniquement de la jeunesse. Je pense que si on se limite à ça, ça serait une erreur. Moi, je pense qu'il faudra composer avec toutes les différentes couches de la population
et nous sortir un gouvernement qui va répondre d'abord aux critères, le critère politique, il est là, c'est tout à fait normal, c'est une évidence. Le critère de méritocratie, il est là. Moi, je préférerais que le critère de méritocratie soit plus prépondérant. Et là, quand nous parlons de mérite, il y a un point sur lequel j'aime revenir, que je trouve très, très important. C'est ce point de l'éthique professionnelle. Vous pouvez prendre les plus grandes têtes possibles que vous avez en termes d'expérience, en termes d'intelligence. Mais quand nous avons l'éthique qui nous fait défaut, vous risquerez d'avoir toute cette intelligence investie dans les abus plutôt qu'à servir la nation. Aujourd'hui, il ne nous reste plus que 3 ans. Si on enlève l'année électorale, plus que 2 ans. Est-ce que vous pensez, même si on a toutes les belles intentions, est-ce que Sam Lukonde est-il parti pour échouer? Parce qu'il n'y a plus que 2 ans et les défis sont extrêmes. La pauvreté, l'insécurité, la santé, l'école, les routes. Bref, on est un pays de priorité. Alors, pensez-vous que Sam Lukonde réussira dans les 2 ans qui lui restent? Mais, Monsieur Christian, déjà, quand vous déterminez le timing, nous devons être corrects avec nous-mêmes. C'est-à-dire que pour évaluer quelqu'un, nous nous disons en 2 ans, qu'est-ce que nous pouvons réaliser? Et c'est là que nous pourrons coter la performance de la personne, si elle a réussi ou pas. Mais si vous voulez qu'il résolve tous les problèmes de la RDC, qui sont des problèmes de 50 ans ou plus, vous voulez qu'il les résolve en 2 ans, même si nous parlons juste de l'infrastructure de transport. C'est combien de kilomètres de rails qu'il faut pour la RDC? Combien de kilomètres de route? En 2 ans, c'est pratiquement impossible. Et voilà. Mais on sait évaluer pour dire d'où il a commencé. Voici là où il est arrivé. Mais est-ce qu'il l'a fait avec succès? De cette manière-là, je pense qu'il devra nous prouver sur terrain. Il n'est pas partant pour un échec. Il faudra qu'ils se mettent au travail pour justement réussir et prouver à ceux-là, les prophètes du négatif, que en fait c'est faisable. Alors, il y a, on va dire, une question de relais. Il va faire ce qu'il peut et puis là où il va s'arrêter, quelqu'un d'autre le fera. Ouais. Mais alors, s'il doit commencer par là, quelles sont les priorités auxquelles il ne doit pas finalement laisser le temps? Où il peut aller pour laisser à l'autre Premier ministre qui viendra après lui, ou un autre gouvernement, bien évidemment, de faire les choses. Il doit commencer par quoi et s'atteler par quoi si vous étiez son conseiller? Je pense que le Premier ministre aujourd'hui n'évolue pas dans un vacuum. L'Union sacrée de la nation n'a pas encore communiqué en détail son programme, mais si nous repartons du discours du président de la République, il y a déjà des points qui ont été énoncés et qui constitueront vraiment la base du programme de cette union sacrée. Il y a la sécurité qui est un problème sérieux. Très sérieux même. Il y a la mobilisation des recettes. Il nous faut avoir les moyens de notre politique pour éventuellement arriver à travailler et à produire. Avoir suffisamment de ressources pour qu'on puisse évaluer un jour. Ça, c'est très, très important. Il y a l'éducation. Quand nous parlons éducation, nous prenons tous les éléments qui entrent en considération. Nous prenons l'enseignement, nous prenons la culture, nous prenons le social. Nous entendons généralement des difficultés. Nous entendons parler des comportements qui ne sont pas très citoyens dans le chef de nous Congolais. Je pense que ça, c'est aussi un chantier assez important sur lequel il faut s'atteler pour essayer de éventuellement commencer à éduquer des citoyens qui soient vraiment dévoués au bon service de la nation et qui vont travailler pour le développement de ce pays. Alors, est-ce que ça change beaucoup de choses dans la sphère politique? Cette nomination du Premier ministre, vous pensez que nous maintenons le même statu quo? Comme vous avez entendu Adolphe Mozito, Fayulu et les autres disent, ben, n'attendez rien, ça ne marchera jamais.
Bon, écoutez, le gouvernement central n'est pas composé uniquement du Premier ministre. Il est composé de tous les autres membres. Nous ne savons pas exactement combien de membres feront partie de cette équipe. Moi, je pense que nous pouvons émettre un jugement lorsque nous connaissons toute l'équipe entière. Déjà, de par le Premier ministre, moi, je vous ai donné mon point de vue. Je pense que il signale déjà un certain renouvellement. Bon, M. Mouzito, M. Fayoulou, ils se situent où dans tout ça? Je ne sais pas. Je pense que nous avons besoin quand même de cette énergie, de cette vigueur de la jeunesse. Et au niveau du Premier ministre, nous sommes ravis que cela a été fait. Nous avons besoin de l'innovation. La jeunesse est vraiment dans l'innovation. La jeunesse, elle cherche, elle se bat, elle invente, elle crée. Et nous pensons qu'avec ce genre de dynamisme, le Premier ministre, pour ne rester qu'à son niveau, il est assez bien placé pour impulser un nouveau leadership à toute son équipe. Espérons qu'on n'aura pas de conflit entre le Premier ministre et le président de la République, comme ce fut le cas avec le prédécesseur. Encore une fois, dans une de nos publications antérieures, je pense que nous avons osé dire tout haut ce que nul ne voulait dire à haute voix. Et je pense que nous avons aussi osé aller dans la direction que tout le monde évitait. Parce que là, bon, on se disait que l'UDPS ne doit pas donner de Premier ministre. Les alliés de l'UDPS devraient laisser aussi aux autres composantes. Mais nous, nous avions estimé que, vu le passé d'où nous venons, et pour faciliter maintenant le bon fonctionnement de la gouvernance de ce pays, il y a lieu d'avoir une relation harmonieuse entre le président de la République et le Premier ministre. C'est ainsi que nous avons osé proposer un Premier ministre qui viendrait de l'UDPS et allié. Nous avons dit qu'il ne faudrait pas exclure la possibilité d'avoir un Premier ministre issu de l'UDPS et allié, justement pour l'avantage d'une collaboration harmonieuse avec le chef de l'État. Là, vous voulez faire comme candidat devra... qui avait nommé un Premier ministre du PPRD, alors que lui était aussi du PPRD. Bon, où est le mal dans ça? C'est la gloutonnerie politique, le fait de tout avoir après. Non, écoutez, M. Bossembe, ici, nous ne voulons pas nous limiter juste à des critères qui seraient j'ai l'habitude de dire inutilement partisans. Nous avons besoin d'un véhicule qui nous amène à bout. Et si nous trouvons que le capitaine qui devra conduire ce véhicule, le meilleur capitaine devrait provenir de telle famille. Déjà, l'UDPS est dans cette union, dans cette coalition. Pourquoi on va l'exclure? Elle a déjà un président, vous n'avez pas besoin d'avoir deux fois la même chose. Sinon, c'est autre chose. Monsieur Christian, nous avons 80 millions plus ou moins de Congolais. Nous avons déjà tous ces partis politiques qui sont au Parlement. Devons-nous dire, pour cette fois, laissons la société civile qui n'est pas au Parlement, aussi au gouvernement, prenons dans les Congolais, parce que sinon c'est la gloutonnerie? Non, pas du tout. Les politiques ont droit de participation de façon équitable. Ce que nous voulons éviter, c'est juste une exclusion discriminatoire qui n'a pas de fondement crédible. Mais lorsque vous voulez exclure un membre de l'UDPS juste sur base de il y a déjà un membre de l'UDPS quelque part, c'est ainsi que cela se détériore jusqu'au niveau des régions, au niveau des tribus, et là on commence à dire mais voilà encore, on vient de nommer un autre de telle région. Il y a déjà des gens qui vous disent bon, le directeur de cabinet il est du Katanga, mais non, le premier ministre du Katanga, mais ça fait quoi? Nous voulons les compétences, les bonnes compétences, mais les compétences pour gérer. Vous trouvez que dans une même région ou dans absolument. Un même parti politique, c'est vous avez absolument raison. Mais si celle-là que nous trouvons ne peut trouver d'opposition que son origine, moi je pense que il y a un souci sérieux.
venant avec d'autres critères qui peuvent disqualifier un candidat, si nous avons, prenons une composition qui est exagérément composée, constituée des membres de certaines origines, là nous allons poser des questions. Mais si ce n'est pas le cas, moi je pense que c'est une exagération et une culture en fait dont nous devons nous distancer pour commencer à nous concentrer un peu sur l'essentiel. Déjà quand vous tombez, vous rentrez dans les origines, dans les provinces, dans les tribus, mais nous avons déjà les gouvernements provinciaux. Nous avons la province qui va jusqu'au niveau de la commune, jusqu'au niveau de la chefferie, avec des représentations locales. C'est là que nous pouvons résoudre les problèmes locaux. Nous avons, en plus de cela, nous avons le Parlement, nous avons l'Assemblée nationale qui a des représentations qui viennent des circonscriptions qui sont éparpillées sur toute l'étendue de la République. Vous avez le Sénat qui a la vocation de représenter les provinces. Mais toutes ces institutions peuvent bien interpeller les gouvernants, ils peuvent interpeller les ministres, s'ils voient que certains besoins de leur province, de leur sous-région sont en souffrance, juste parce que le gouvernement central s'occupe plus de telle province à cause de sa composition. Mais à quoi nous sert, le Parlement alors? Il faut que toutes les institutions se mettent à travailler et qu'elles travaillent aussi bon que nous voulons que le gouvernement puisse travailler. À ce moment-là, nous nous retrouvons dans ce que nous voulons, un état de droit et un état efficace et efficient. Mais si le Parlement ne fonctionne pas, si bon, on néglige tout ce qui se passe au Parlement et on veut s'attarder sur le gouvernement qui devrait être contrôlé par l'Assemblée nationale et le Sénat, et nous venons avec des critères inutilement partisans, discriminatoires. Moi, je pense que nous devons un peu nous éloigner de toutes ces tendances-là et nous devons, d'ailleurs, avec cette chance du renouveau, nous devons nous raligner, nous devons changer de paradigme congolais. Avant de parler de renouveau, il faut attendre que le gouvernement sorte, sinon on va risquer d'être déçu. Après, mais alors, on va terminer ce débat sur la question de Premier ministre avant de prendre les tout derniers sujets. C'est que quelles sont les chances que vous donnez à ce gouvernement, au Premier ministre, mais aussi quelles sont les erreurs à ne jamais commettre que vous pouvez signaler au Premier ministre? J'ai assisté encore personnellement, je trouve que la question d'éthique professionnelle, elle est très très importante. Parce que les membres du gouvernement qui seront là, c'est eux qui vont impulser et qui vont exécuter le programme. Et si nous avons déjà une éthique corrompue, nous avons des sérieux problèmes. Là c'est très capital. Il faut qu'il y ait un contrôle, une évaluation de la performance, mais il faut qu'on arrive à trouver des sanctions aussi lorsque il y a déviation. Nous avons évolué pendant beaucoup d'années dans, si je peux appeler, un système où la sanction n'a pas existé. Même quand il y a eu vraiment des comportements criminels, nous n'avons pas vu des sanctions et cela a encouragé les déviations que nous déplorons aujourd'hui. J'aimerais proposer au Premier ministre de sanctionner quand il le faut. Ok. Alors, ça, il faut sanctionner, il faut éduquer, on comprend. Alors, on va boucler la question du Premier ministre, mais nous rentrons dans des considérations politiques, autre chose politique. Vous avez suivi les débats entre SID, ça veut dire Martin Fayulu, qui reproche à l'ambassadeur rwandais, il demande de quitter le pays parce qu'il a manqué de respect à monsieur Fayulu et puis au peuple congolais. Est-ce que vous avez suivi tout le débat? Est-ce que vous avez un point de vue sur la question? Je n'ai pas suivi tout le débat, mais nous devons faire très attention quand nous allons sur le terrain de la diplomatie.
Nous devons savoir d'abord quelle est la position de la RDC et quelle est la relation que la RDC a avec son voisin, le Rwanda. Cette question est répondue par Nganda, M. Nganda et les autres, qui estiment que nous sommes sous tutelle du Rwanda et que le Rwanda domine la RDC, que M. Félix Tshisekedi, président de la République, n'est qu'une marionnette de Kagame. Bon, est-ce que vous voulez que nous partions de cette considération ou que nous puissions observer et nous puissions tirer aussi de nos affaires étrangères quelle est la position et les relations entre les deux pays. Parce que sinon, vous avez des opposants qui restent partisans et qui veulent trouver faute à chaque instant et qui éventuellement vous proposent même des solutions qui n'en sont pas, mais qui sont des facteurs de crise. Je ne pense pas que c'est de cette façon-là qu'on doit gouverner toute une république. Moi, je pense que si, effectivement, il y a des questions sérieuses, s'il y a une certaine méconduite de la part de l'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo, il y a une façon d'adresser cela et il y a même des cadres où cela peut être adressé. Je ne pense pas que nous pouvons, je ne sais pas pour plaire à la galerie, sortir. Vous ne vous attendez pas au président de la République ou à notre premier ministre ou encore à notre ministre des Affaires étrangères de suivre les propositions que vous venez de me donner là pour la diplomatie de notre pays. Non, ça serait le chaos. Et pourquoi on ne le chasserait pas carrément? Mais pourquoi vous voulez le chasser? Parce qu'il a répondu à un opposant congolais. Non, mais écoutez, où est-ce que ça dit qu'il ne faut pas répondre à un opposant congolais? C'est un président élu, selon lui. Bon, écoutez, rentrons à la question de la réponse à un citoyen congolais, président élu ou opposant, c'est un citoyen congolais qui a peut-être exprimé aussi son souci vis-à-vis d'un certain comportement. L'ambassadeur du Rwanda a une mission et sa mission est celle aussi de défendre son pays et celle d'œuvrer pour les intérêts de son pays, pour l'image de son pays. Et quand on attaque son pays d'une façon que lui ne trouve pas juste, qu'il le trouve incorrect, je trouve qu'il est tout à fait dans ses droits de répondre, que ce soit aux citoyens congolais ou que ce soit aux institutions congolaises ou que ce soit les acteurs politiques. Je pense qu'il est dans ses droits aussi de donner la position de son gouvernement et de son pays. Alors, on aura certainement passé plus de 30-37 minutes autour de ces questions d'actualité que je voudrais que ce soit des questions assez essentielles. Mais est-ce que vous avez un sujet particulier qui vous porte à cœur, que vous voudrez finalement qu'on analyse pour terminer ce débat? Écoutez, personnellement, moi je voulais, parce que c'est d'actualité, oui, parler un peu plus des critères de composition de notre gouvernement central. Oui. Parce que c'est même ça, c'est à ça que vous avez consacré toute une tribune. Oui, alors expliquez-nous absolument un peu le contenu de cette tribune. Bon, écoutez, là je me suis attardé sur trois critères qui sont dominants dans l'opinion, qui sont ceux des origines des membres du gouvernement, du poids politique et de la méritocratie. Si nous commençons avec le poids politique, c'est tout à fait naturel. Déjà, le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire, qui est une base politique. Il y a la place de la politique et du poids politique. Cependant, n'oublions pas le contexte dans lequel nous nous retrouvons dans l'union sacrée de la nation, où c'est ce que je disais, une coalition élargie à tous les citoyens congolais. Quand nous prenons les 80 millions de Congolais et puis nous prenons les membres du Parlement, le poids politique est de quel côté? Vous avez le souverain primaire qui a délégué ses représentants au Parlement. Et ce souverain premier a adhéré majoritairement, du moins, au moins du point de vue
des informations que nous avons de l'opinion, il y a la population congolaise en large qui adhère à la vision du président de la République. Et elle nous dit, nous sommes d'accord avec la vision du président de la République et le programme qu'il a initié. Il faut donc faire un peu attention quand nous voulons nous attarder là-bas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, celui des origines, je venais de vous dire, nous devons faire attention pour ne pas tomber finalement dans le tribalisme et dans le régionalisme. La réponse de l'origine pour vous, vous dites méritocratie. Peu importe votre origine, mais du moment où vous êtes méritocrate, du moment où vous méritez, bien vous avez la confiance. Non, oui et non. Okay. Oui, dans le sens que je pense que le point qui devrait être prépondérant, capital, c'est le mérite. Il faut des compétences qu'il faille. Mais vous avez dit aussi qu'on devrait trouver des compétences dans toutes les régions de la République. Oui. C'est là que nous disons ce critère-là devrait être secondaire. Et en plus, la Constitution nous dit déjà que l'exécutif national doit être représentatif. Donc, c'est déjà dans la recette de la composition de l'équipe. De la même façon avec le poids politique quand il s'agit d'un gouvernement de coalition. Seulement, quand vous avez des voix qui s'élèvent plus sur le poids politique et les origines des membres de l'exécutif, nous voulons sonner quand même l'alarme là pour ne pas nous retrouver dans le népotisme, dans le clientélisme et dans toutes les erreurs du passé où ce qui était prépondérant était justement le poids politique et les origines des candidats ou des membres. Nous voulons cette fois-ci promouvoir et nous voulons insister sur la capacité technocratique de l'équipe ou de l'exécutif national qui apporte des compétences qui puissent nous amener quand même à relever tous les défis que nous avons en tant que République. Et le troisième point, vous avez dit? C'est justement la méritocratie. La méritocratie. Nous voulons vraiment promouvoir cette fois-ci les compétences, mais nous ne voulons pas détacher la question de l'éthique de toutes ces compétences. Nous voulons avoir la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Vous ne voulez pas avoir un ministre qui ne s'y connaît rien de l'eau ou de l'électricité, mais qui vient sur les autres critères dont nous parlons et qui va se retrouver en charge de la politique de l'eau ou de l'électricité du pays. Alors, vous demandez l'équilibre, si on doit comprendre, un équilibre rationnel. Absolument. Il ne faudrait pas forcément se bloquer, se focaliser que sur les poids politiques, parce que ça va, on connaît comment ça s'est passé à l'époque. Il ne faut pas se focaliser que sur les questions de région, sinon on sera dans la discrimination. Il faudrait aussi aller au niveau de la méritocratie, mais ce que vous dites est très important parce que vous parlez de l'éthique. Donc, voilà. Tu peux avoir un poids politique, tu as la région qu'il faut, tu as les compétences qu'il faut, mais s'il manque en toi l'éthique professionnelle, disons l'éthique même, alors je crois que ça va déranger. Ça serait un grand problème. Un grand problème. Merci beaucoup, Monsieur Luc. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS, vous vivez à l'étranger, maintenant vous êtes ici. Et vous êtes, vous écrivez, on va dire écrivain, mais aussi analyste. Et donc, la tribune, elle est maintenant sur CongoBuzzNet. Donc, si vous pouvez entrer dans notre site sur le net, vous trouverez. C'est apprécié par plusieurs personnes parce qu'il parle de la technique de Léopard. Et là, il a fait la part des choses entre la réussite de Léopard en tant que football, dans le parcours de football. Mais là, il parle plutôt de la recette, comment il faut mettre les gens. C'était vraiment, c'est quelque chose de bien qu'il faut suivre. Et très souvent, vous le suivrez ici avec nous parce que pertinent dans cette analyse, stable. Et moi, je préfère encore l'inviter plusieurs fois. Merci beaucoup, Monsieur Luc. Merci, Monsieur. On avait promis aux gens qu'on allait revenir pour parler du gouvernement, du Premier ministre. Vous êtes revenu. Donc, on prend encore rendez-vous. On parlera du gouvernement. Quand le gouvernement va se présenter, va être composé, on reviendra pour faire le décryptage des faiblesses et des réussites. Absolument. Ça en est fini pour aujourd'hui. Merci. Je vous retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les réalisés. Salut, je m'appelle Blanchard Mbanzo, je suis congolais, vivant ici en Angleterre.
et je suis directeur de la compagnie Branco Logistique. Branco Logistique, c'est une compagnie de logistique, comme vous l'entendez. Donc, Branco Logistique, c'est une compagnie qui vous envoie, qui vous transporte vos affaires from point A to B, meaning, c'est-à-dire, ça vous prend vos affaires du point A au point B. Nous exportons ici en Europe et nous importons au Congo démocratique. Nous avons des contrats avec des compagnies qui veulent acheter des affaires ici en les véhicules, toutes sortes de véhicules que vous voulez acheter en Europe. Et nous avons aussi de cartons. De cartons spéciaux et des cartons, je veux dire, spéciaux. En fait, nous avons trois produits pour le moment. Nous travaillons dans le sea freight, c'est-à-dire le fret maritime. Nous avons le air freight, donc le fret aérien. Et nous avons aussi le road freight, le routier, quoi. Le routier, c'est pour la première zone, la zone 1, c'est-à-dire l'Europe. On rabat le prix à 50% pour toute action caritative, c'est-à-dire pour les églises, consorts. Branco Logistique est là pour soutenir sa communauté. Nous avons de grands cartons. Ici, déjà en Angleterre, le plus grand carton qu'on appelle Double Wall. Et que là, nous avons ces 40 cm x 63 x 63 à seulement 120 livres. Donc, vous avez including, donc la douane, le transport est inclus. Branco Logistique est complètement africaine et pour l'aide de notre communauté. Oh,